Bon, bah, alors moi c'est Elsa, je suis chauffeur poids lourd depuis maintenant 6 ans. Alors j'ai passé mes permis poids lourd et super lourd courant 2015 et j'ai commencé ma carrière un petit peu par de l'intérim dans la foulée et là ça fait maintenant bientôt 6 ans que je roule en super lourd chez les transports Pex Auto et Fils. Ben, tout simplement, j'ai de la famille qui est dans ce métier-là aussi, comme mon papa. Et puis, j'ai toujours aimé faire de la route, que ce soit passion automobile ou moto. Donc, c'est vrai que le permis poids lourd, c'était un peu la concrétisation de tout ça, quoi. Comparé à il y a quelques années, je pense que ça se féminise de plus en plus. Au tout début, c'est vrai qu'on n'en voyait pas beaucoup sur la route. Maintenant, on est amené à croiser pas mal de conductrices et ça fait très plaisir. Mais il ne faut pas qu'elles aient peur. C'est sûr qu'un gros gabarit comme ça, ça peut vite effrayer, mais c'est que du plaisir. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on les voit régulièrement sur la route quand il y a des accidents ou des travaux. Ils font un métier aussi qui est dangereux. Nous, on doit aussi faire attention à tout. Et personne ne se rend compte que les autres usagers peuvent être un grand danger pour tout le monde. On peut échanger, voir les problèmes de l'un, de l'autre. C'est vrai qu'on n'est pas, on se comprend pas forcément juste en se croisant. Donc c'est une bonne idée de se rencontrer sur un événement comme ça.